Collectif 4 décembre ak l'autre organisation dans société civile là qui t'ai réalisé marche mercredi a contre masminaï haïtien ak soufflet dignité pays a après l'autre bord frontière démenti catégoriquement information qui fait quoi gen moun qui t'ai descend drapeau consulat dominicain et puis bouler dans mitan la Pétionville. Coordonnateur collectif là Jean-Robert Argan fait déclaration ça journée vendredi a dans une conférence bilan organisateur présenté dans hôtel Royal Oasis. Monsieur Argan précisé li gen preuve qui montrer drapeau yo di moun nan t'ai descend dans celui-là, la police te prend et puis remet li bay concile dominicain. Responsable a profité condamné Zaksa parce que organisateur te mande tout participant dans match là pas attaquer dominicain. Ancien président chambre commerce ak industria voyé sympathie collectif là bay famille Henri Claude Jean pendant mandé gouvernement mette sous pied en commission enquête pour faire lumière sous acte criminel ak racisme. Y a continué ramasser signatures pour pétition a bien pour al déposer devant diverses organisations internationales contre République dominicaine qui a maltraité haïtien. D'après déclaration Jean-Robert Argan dans Microville Nia Joseph à Colin Île-d'Orest. Nous avons organisé ensemble cette journée du 25 février 2015, journée de mobilisation nationale contre l'anti-haïtianisme en République dominicaine. CONAN, Conseil national haïtien des acteurs non étatiques des droits apôtres, Haïti jusqu'au bout, Léon d'Antignan, Conseil national des jeunes leaders, John Latortue, Fédération Baroua, Kakounou Tewel, la marche là, ils sont venus avec près d'une centaine et plus d'avocats en toge. Et en plus, ils étaient élèves de l'école de Baroua, qui participait près d'une cinquantaine. Nous remercions toute l'école sur tout territoire, voilà, tout territoire national. Nous remercions étudiants, universitaires. Nous remercions classe politique. Nous remercions artistes haïtiens qui étaient là. Nous remercions tous ces civils et policiers qui ont empêché à des Dominicains d'être agressés. On sécurisait le circuit de la marche et on contrariait les multiples tentatives de brûler le drapeau de la République voisine. Nous constatons que tu gagnais vraiment une masse de monde qui participait. Tout une marée humaine que nous gagnions. Nous espérons que l'autorité de pays comprenne fondement et but. Démarche nous. Vous rapportez-nous que vos drapeaux dominicains que vous brûlez au niveau consulat. Nous portez un démenti formel de l'affirmation ça. Parce que drapeau que vous dites, que vous prenez sous consulat, drapeau dominicain qui est sous consulat, la police nationale te récupéré le. Et remettre en main propre au consul dominicain. Nous voulons affirmer avec la plus grande vigueur que nous pas jamais cautionné, nous pas jamais dit nous d'accord et nous pas jamais consommé sous un drapeau ou pays, quel que soit pays. D'ailleurs, nous t'ai déjà dit depuis dimanche 29 février, dans une émission télévisée La Capitale, là, et nous répétons à plusieurs reprises, dans différentes conférences de presse et contacts à la presse, la veille de la journée de mobilisation nationale. Nous, pendant tout parcours, là, nous ne pas suspendre, répéter ce slogan, non à la haine, non à la barbarie. Respect et paix entre les deux peuples sur l'île. Message d'aujourd'hui, d'abord adressé à la famille d'Henri Claude Jean. Nous réitérons condoléances et sympathies. Et nous demandons pour Henri Claude Jean que justice baille à partir de l'enquête internationale indépendante.